And now it's my pleasure to welcome the CEO of Business France, the national agency responsible for fostering international development of French economy, an agency that acts as a bridge between French companies and international markets, providing them with support, guidance, to expand their presence in different places around the world. They are present in over 70 countries, and they have 1,500 employees. Ladies and gentlemen, join me to welcome Monsieur Laurent Saint-Martin. Messieurs les ministres, cher Bandar El-Khorayef, Monsieur le secrétaire général, Mesdames les ambassadrices, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, merci tout d'abord au ministre Bruno Le Maire d'avoir accepté d'ouvrir cet événement inédit, et merci à vous toutes et tous de témoigner par votre présence l'importance de cet événement de Vision Golf, qui témoigne finalement de la priorité politique forte que donne à la fois le gouvernement français et son agence Business France à l'approfondissement des relations avec les pays du Golfe. C'est évidemment un signal fort qui est envoyé autant à nos entreprises qu'à nos partenaires. Et donc, si je vous remercie d'être ici aussi nombreux, c'est que vous êtes plus de 900 participants qui se sont inscrits sur deux jours, dont 350 participants issus des 6 pays du Golfe. Il y aura plus de 1000 rendez-vous qui sont d'ores et déjà organisés, en marge de 14 tables rondes qui vont rassembler plus de 78 speakers de haut niveau. Donc cette première édition en termes d'organisation est d'ores et déjà un succès. Cette première édition ne sera pas la dernière. Je voudrais déjà vous dire qu'elle sera suivie de nombreuses autres, car nous voulons d'ores et déjà ancrer dans la durée ce rendez-vous et bâtir chaque année encore plus de ponts entre nos acteurs économiques et nos territoires. Parce que le ministre Bruno Le Maire l'a parfaitement dit, il se trouve que nous avons la chance de partager avec les pays du Golfe, depuis toujours, un même respect mutuel, une compréhension culturelle profonde et des priorités stratégiques fortes. Nous aurons l'occasion d'en reparler dès la première table ronde. Les pays du Conseil de coopération du Golfe sont depuis longtemps une priorité en ce qui concerne l'action de Business France, évidemment sous l'angle qui est le nôtre, celui du commerce, celui de l'investissement. Et il manquait, depuis tant d'années, un événement majeur, un flagship event, comme on dit en bon français, pour illustrer cette relation particulière et exceptionnelle. Eh bien, cet événement, c'est Vision Golf, et nous y sommes. Nous avons donc voulu un événement qui soit pratique, qui soit utile et qui soit concret. Vision Golf propose pendant deux jours des panels, des tables rondes de haut niveau, avec des thématiques qui seront opérationnelles, précises, d'actualité, et puis aussi et surtout pour vous, des moments de networking qui permettront à tous les participants de se rencontrer, d'échanger, et puis surtout de construire leurs relations futures. Et puis enfin, une plateforme et un espace B2B vous permettront d'amorcer et de concrétiser vos courants d'affaires et d'investissement. Parce que dans un monde finalement en proie avec les crises, quelle que soit leur nature, les pays du Golfe offrent, il est vrai, un réservoir considérable d'opportunités pour nos entreprises françaises à l'export et pour nos territoires en investissement potentiel. Et tous les pays du GCC portent en effet une promesse d'optimisme. Ils l'ont affiché l'an dernier avec un record en termes de croissance. Les plus ambitieux méga-projets prennent corps, ce sont des véritables laboratoires de demain. La diversification des économies et la préparation de l'après-pétrole est une réalité palpable et les investissements en sont une démonstration tout à fait concrète. Pour nos exportateurs, les opportunités d'affaires sont extrêmement nombreuses dans tous les secteurs d'activité, produits alimentaires, équipements et solutions pour les industries agroalimentaires, équipements et solutions pour l'élevage et l'aquaculture, agrotech, foodtech, industrie aéronautique, environnement et ville durable, transport et mobilité, sécurité et transport, ou encore transition énergétique, évidemment, hydrocarbures, intelligence artificielle, et j'en passe. Tous les secteurs sont représentés dans nos coopérations entre les 6 pays du GCC et la France, et vous représentez ici l'ensemble des secteurs d'activité dont nous allons parler. Et puis sur le volet de l'attractivité, les très importantes capacités d'investissement, à la fois publiques et privées, couplées aux visions, qui sont ces plans nationaux de développement, de modernisation
et d'investissement élaborés par la plupart de ces États, eh bien, elles offrent de véritables opportunités de partenariat, pour autant, bien évidemment, que nous sachions répondre, nous-mêmes, Français, aux attentes et aux besoins de nos partenaires du Golfe. Quant à la France, c'est simple, beaucoup d'entre vous le savent ce matin, elle n'a jamais été aussi attractive. Pour la quatrième année consécutive, nous sommes premiers au classement Ernst & Young des pays les plus attractifs d'Europe. Et comme vous le savez, la dernière édition du sommet Choose France à Versailles, en mai dernier, a battu tous les records avec 13 milliards d'euros d'investissements annoncés pour plus de 8 000 emplois créés partout en France. La réindustrialisation de la France est une réalité qui se bâtit chaque jour dans l'ensemble de nos territoires. Et l'ambition portée par le plan France 2030 est aujourd'hui devenue un point de repère pour les investisseurs du monde entier, donc ceux du Golfe. Et je le dis à tous nos amis ici des 6 pays concernés, saisissez-vous de cette opportunité, faites confiance à nos talents, choisissez la France, c'est un choix gagnant. Et je le dis également aux entreprises françaises, projetez-vous vers les pays du Golfe, n'ayez aucune hésitation, foncez, vos savoir-faire y sont reconnus, votre expertise y est attendue, votre excellence y est bienvenue. Et vous aurez l'occasion de le mesurer lors des tables rondes et des rendez-vous qui vont rythmer cet événement pendant 2 jours. Projetez-vous, mais d'abord préparez-vous, car la région est évidemment très courtisée. La compétition y est particulièrement forte, et c'est là que l'accompagnement sur mesure proposé par nos équipes de Business France et l'ensemble de ses partenaires de la Team France Export peuvent vous permettre de faire la différence. Et c'est sous la direction d'Axel Barou, que je salue ici, avec nos équipes sur place, que nous sommes à votre disposition. Donc allez les voir tout au long de ces 2 jours ici, allez les voir dans les pays du Golfe, sollicitez leurs conseils et leur expertise. Business France est là pour vous. Utilisez leur savoir-faire et faites confiance à leur détermination, car tous ces collaborateurs de Business France n'ont qu'une seule boussole, votre succès en termes de business. Et je voudrais, pour conclure, remercier à nouveau les 2 ministres présents, le ministre Le Maire pour ses mots et son accueil, également par avance le ministre Olivier Becht qui ouvrira la séquence de Vision Golfe de demain, et tous nos partenaires intervenants, délégués en particulier pour ceux très nombreux venus des pays du GCC. Donc c'est un véritable plaisir de vous accueillir toutes et tous à Paris. Et puis enfin, je voudrais avoir un mot de remerciement pour l'ensemble des partenaires qui nous soutiennent, que vous voyez ici, et qui nous permettent de tenir cet événement dans un délai court et avec beaucoup d'ambition, comme vous pouvez le voir. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente et fructueuse première édition de Vision Golfe. Je vous remercie.